ressembler Jésus. Tu l'as dit, soyez mes imitateurs. Nous devons vouloir nous ressembler. Alléluia. Je n'ai rien à
Bénis-sois tu, papa. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre place. Nous allons continuer notre service. Nous allons écouter la parole. Amen. Amen. Ce matin, Dieu a rempli la bouche de sa servante. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a une onction qui coule sur elle en cet instant. Amen. 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 Tout va bien? Tout va bien. Alléluia. Alléluia. Tout va bien. Non, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien pour nous. Aïe, aïe, aïe. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien pour nous. Nous la remettons en fait. Nous la remettons en fait. Il l'a préparé. Alléluia. Déverser sur nous ce matin. Amen. Amen. Alors Amen. Nous acclamons la Seigneur. Amen. Et nous lui passons la main pour la prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour ceux et celles peut-être qui viennent pour la première fois, qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Marie-Claude Boucaud. Je suis heureuse de vous recevoir. Et je suis encore plus heureuse parce que j'ai vu une tête que ça fait des années que je l'invitais et que je ne la voyais pas. Elle s'appelle Lise. Tu te lèves et nous accueillons Lise ce matin. Nous accueillons Lise ce matin. Alléluia. Même, tu sais, c'est par les temps difficiles. Alléluia. Que nous cherchons là où se trouve le vrai berger. Alléluia, on va prendre un dernier chant d'adoration avant la parole. Oui. Alléluia, Père, te ressembler, Jésus. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Nous voulons, nous devons vouloir nous ressembler. Alléluia. Jésus,
Seigneur Jésus, c'est mon espoir suprême. Pensez, agis comme toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Toi seul peux nous aider, Papa, par ton Esprit Saint. Tu as dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, seul par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te ressembler. Que nous puissions diminuer, toi qui t'élèves, et que la chair, sa justice, Saint-Esprit, prend le contrôle. Prends le contrôle de notre vie, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Oh, ce matin, à travers ta parole, Seigneur. Agis, Père, mon Dieu. Rends-nous semblables à toi, Seigneur. Ta parole qui est puissante. Tu as dit, il y a de la puissance dans ta parole pour briser les chaînes dans nos vies, pour renverser les forteresses dans notre vie. Oh, Papa, agis ce matin, Seigneur. Agis à travers, parle à la bouche, à travers la bouche de ta servante, Seigneur. Agis, Père, glorifie ton nom, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Te ressembler pour vivre ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons continuer le service. Alléluia. Nous allons continuer le service, mais avant, nous allons chanter ce dernier chant, parce qu'il vit. Alléluia. Parce que Jésus vit, il est présent, il est parmi nous. Nous devons dire, quelle que soit la situation qui se présente, il est là en nous. Nous n'avons rien à craindre parce qu'il est la solution. Alléluia. Parce qu'il vit, je vis. Je n'ai rien à craindre.
toi, tu papa. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre place. Nous allons continuer notre service. Oui, nous allons continuer notre service. Alléluia. Nous allons écouter la parole. Amen. Ce matin, Dieu a rempli la bouche de sa servante. Alléluia. Donc, il y a une onction qui coule sur elle en cet instant. Amen. Tout va bien? Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Non, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien pour nous. Aïe, aïe, aïe. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien pour nous. Alléluia. Alléluia. Pour ceux et celles peut-être qui viennent pour la première fois, qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Marie-Claude Boucaud. Je suis heureuse de vous recevoir. Et je suis encore plus heureuse parce que j'ai vu une tête que ça fait des années que je l'évitais et que je ne la voyais pas. Elle s'appelle Liz. Tu te lèves et nous accueillons Liz ce matin. Nous accueillons Liz ce matin. Alléluia. Même, tu sais, c'est par les temps difficiles. Alléluia. Que nous cherchons là où se trouve le vrai berger. Alléluia. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il est présent parmi nous dans ce lieu. Disons-lui gloire. Que toute la gloire vous nous revienne. Et je vous remercie pour votre présence. Remerciez Dieu, mes chers bien-aimés, pour votre présence. Dites-lui merci d'avoir permis que je sois là ce matin. Alléluia. Et pour la présence de celui ou celle qui est à côté de vous. Alléluia. Dites merci au Seigneur. Dites-lui qu'il est à la bonne place. Alléluia. Que Dieu a ce matin quelque chose à nous communiquer. Alléluia. Et ce matin, mes chers bien-aimés, je voudrais vous dire que c'est le moment de faire notre bilan. Alléluia. C'est le moment de mettre notre voiture au garage en ce dernier mois et faire le bilan de notre vie. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce qui nous manque à faire? Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur de faire pour nous? Parce que Dieu, il a de grandes choses à faire pour nous. Il a beaucoup de promesses pour nous. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour repartir à zéro. Alléluia. Peut-être que tu viens ici, mais ton cœur, tu viens pour venir, mais tu n'as pas encore trouvé vraiment la force de te laisser aller, de confier à Dieu ton intérieur, ton moteur. C'est le moment de lui dire, Père, répare mon moteur. Alléluia. Remplace chaque vie, chaque boulot qui manque. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Trop tard pour changer de cap. Alléluia. Se placer, se positionner là où Dieu veut que tu sois, mes chers bien-aimés. Là où Dieu veut que nous soyons. Il n'est pas trop tard pour demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle pour un changement de cœur, d'enlever la pierre, d'enlever ce qui ne le glorifie pas, afin de le remplacer par de la chair. Alléluia. Parole du Seigneur. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Alléluia. Il vous serait accordé. Nous devons savoir que si nous demandons tous ces changements, Dieu nous accordera ces changements. Cependant, si nous demandons et nous ne recevons pas, nous devons nous remettre en question. Alléluia. Nous remettre en question. Alors, Dieu n'est pas l'auteur de nos échecs. Aujourd'hui, notre thème s'intitule Je continue la réussite. La réussite, parce que nous avons tous besoin de réussir à quelque chose. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien. La réussite doit dépendre de nous, pas de quelqu'un d'autre. Alléluia. Il n'y a pas de réussite sans combat, mes chers bien-aimés.
La vie est un combat. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Alléluia. En qualité d'enfant de Dieu que nous sommes, nous avons les armes qu'il faut pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. L'ennemi qui nous veut nous combattre, et nous trouvons cela dans le livre aux Corinthiens 10. Pour cela, nous devons avoir une bonne attitude et gagner de l'altitude. C'est ce qui est plus important dans notre vie. Alléluia. Vous devez être rempli de la puissance d'en haut. Rempli, je dis, de la puissance d'en haut. Mes chers bien-aimés, vous devez avoir comme référence les quatre points cardinaux, comme a dit le bishop. Alléluia. Les quatre points cardinaux spirituels, qui veut dire c'est la distance qui sépare un point géographique du point méridien. Alors, un point géographique qui va séparer nous de la terre, nous pas pour nous, hein, de la terre aux cieux. Alléluia. Nous sommes entre terre et ciel. Il y a une séparation. C'est-à-dire, plus vous montez en altitude, plus vous aurez de la hauteur. L'aigle, en hauteur, c'est en hauteur qu'il vise sa proie. Alléluia, c'est quand il est en haut, il voit la nourriture, même dans la mer, il plonge. Alléluia, c'est en hauteur qu'il... Voilà. Ceci dit que plus vous allez monter, plus vous allez vous rapprocher de Dieu, et moins les soucis et les problèmes de ce monde vont vous infecter. Je dis, il n'y a pas qu'à comprendre, en toujours des problèmes, à rien pas à marcher. Mais c'est vrai, nous allons rencontrer des problèmes. Mais avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, nous ne nous laisserons pas infecter, nous n'allons pas rester toute notre vie à nous mortifier sur le même problème. Alléluia. Nous avons eu l'exemple des apôtres. Alléluia. Plus ils étaient remplis du Saint-Esprit, alléluia, et plus le Saint-Esprit se servait d'eux. Nous avons aussi eu l'exemple de Paul. Plus il était rempli du Saint-Esprit, et moins il ressentait la douleur et la susceptibilité. Alléluia. Nous avons la lassitude. Oui, la lassitude, on peut être fatigué de quelque chose. Aussi, je le prends comme ça. On peut être fatigué de venir s'asseoir le dimanche ici. On se dira, ah, dans mon lit, je suis mieux. D'accord? Mais nous devons savoir, nous faire violence et vaincre cette lassitude, cet esprit qui nous pèse, qui nous plombe, qui nous tire vers le bas. Et à cette même entrée, si vous voulez le bas, nous avons aussi maintenant deux autres points, l'aptitude et l'attitude. Mais nous devons savoir au travers de ce point, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Alléluia. La réussite et le succès passent par la méditation de la parole de Dieu au quotidien. En lisant la parole, en méditant la parole, il y a quelque chose qui se déclenche. Alléluia. Parce que Dieu a donné un ordre à Josué. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il a dit une parole à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, fidèlement. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. La clé du succès se trouve dans cette lettre ouverte qu'on appelle la Sainte Bible. Amen. Alléluia. Quelle que soit la réponse dont nous aurons besoin, cela peut-être nous prendra un mois, deux mois, mais en méditant la parole, Dieu, il ouvrira les yeux de nos cœurs. Alléluia. Et nous allons tomber sur un passage qui nous dira, non, ne reste pas là où tu es. Prends ton envol, mon enfant. Alléluia. Deuxièmement, la réussite est une réalité. Vous êtes responsable de votre réussite et de vos échecs. Amen. Est-ce que vous le savez? Nous
sommes responsables de nos réussites et de nos échecs. Un enfant qui va à l'école, s'il n'étudie pas, je le dis tout le temps à mes petits-enfants, si vous n'apprenez pas vos leçons, si vous avez un devoir pour la semaine prochaine, vous ne commencez pas par cette semaine à méditer, à chercher à comprendre ce devoir, eh bien, le dernier jour, vous n'allez rien retenir. Un est venu avec 2 sur 10, il me dit. Je lui dis, mais pourquoi tu as eu 2 sur 10? Mamie, c'est un contrôle non préparé. Je lui ai dit, il n'y a jamais de contrôle non préparé. Tu as fait, tu as vu le résumé avec ton professeur. Tu aurais dû venir dessus. Et même si ce n'était pas préparé, le jour qu'elle, te dit, qu'elle aura à vous dire, voilà, vous serez prêts. Au moins, il y aura quelque chose, même 2 mots, pour ne pas attraper 2. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je voudrais vous dire, mes chers bien-aimés, il y a de nombreux passages écrits dans la Bible qui nous édifient sur la réussite. Dans le livre de Philippiens 2, au verset 13, Philippiens 2, verset 13, il est écrit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. C'est lui qui produit le bon vouloir. Cette parole, mes chers bien-aimés, doit nous susciter. Il doit susciter notre foi. Alléluia. Et nous propulser en hauteur. Troisièmement, Dieu s'est personnifié dans son immense amour. Alléluia. Il nous a donné Jésus. Ça, c'est une grande réussite. Alléluia. Il nous a donné Jésus pour l'accomplissement de sa volonté. L'homme ne peut rien faire par lui-même. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 19. L'homme ne peut rien faire de lui-même. Quelqu'un qui vous dit que je veux construire une maison, je suis propriétaire, je vais construire la maison par moi-même, c'est faux. Il lui faut un architecte, il lui faut un entrepreneur, il lui faut des ouvriers, il lui faut un secrétaire, il lui faut tout. Alléluia. De même que Jésus, en esprit de Dieu, en esprit de là où il était, il a dit faisons. Nous savons qu'il n'était pas seul. Mais c'est lui le plus grand des architectes, le plus grand des entrepreneurs, le plus grand des chirurgiens. Alléluia. L'homme fera. Mais il y a aussi une personne au-dessus d'eux. Alléluia. Nous devons tout faire selon la volonté de Dieu. Et ne pas prendre à la légère les promesses dont nous devons nous en approprier, qui nous procurent des hormones de paix, de joie et de compassion. Des hormones, ces hormones d'amour qui sont en nous, pour pouvoir partager avec les autres. L'amour se partage. L'amour est en nous. L'amour, c'est à deux. Seul, on ne peut pas s'édifier soi-même. On a toujours besoin de quelqu'un rempli d'amour. Et quand on a beaucoup d'amour, eh bien, l'hormone de la colère ne peut pas prendre le dessus sur nous. Notre adrénaline ne peut pas monter à n'importe quelle occasion, mes chers bien-aimés. Vous devez trouver les racines de votre extension. Les racines de votre extension, c'est faire le bilan, comme j'ai dit tout à l'heure. La réussite est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ni l'un, ni l'autre ne doit pas dépendre des autres. La réussite et l'échec. Nous avons la réussite, nous avons l'échec. Mais ni l'un, ni l'autre ne doivent pas dépendre des autres. Mais ils doivent dépendre de nous. Alléluia. De nous. Et si nous mettons le Saint-Esprit au milieu, eh bien le Saint-Esprit va nous éclairer notre intelligence,
parce que Dieu nous a doté d'une grande intelligence. Répétez après moi. Ma réussite doit dépendre de moi. Ma réussite ne doit pas être à partir de la réussite des autres. Amen. La réussite, mes chers bien-aimés, c'est pouvoir trouver la capacité de s'imposer, à trouver sa propre capacité, à la manifester, c'est-à-dire à se dire, je suis capable, je n'abandonnerai pas. Mon frère, tu dis, je suis capable, je n'abandonnerai pas. Alléluia. Ne laissez personne vous détourner de votre objectif. Alléluia. Ne laissez personne vous détourner de votre objectif. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous devez prendre de l'énergie. Sans énergie, pasteur Fonsette, on ne peut pas aller loin. Nous devons être toujours oxygénés. Parce que nous avons l'hormone qui travaille en nous. Une femme en grossesse, eh bien l'hormone travaille toujours en elle. Tantôt elle est de bonne humeur, tantôt elle est de mauvaise humeur. Les deux vont ensemble. Nous devons pour réussir, pouvoir nous séparer des gens qui sont gazés. Alléluia. Il y a des gens qui sont gazés autour de nous, qui ne veulent rien de bon pour nous, qui veulent toujours nous enfoncer, qui a toujours quelque chose à nous venir nous dire sur X, Y ou Z. Alléluia. Qui voient toujours la paille dans l'œil de leur frère alors qu'ils ne voient pas ce qui est dans leur œil. Alléluia. Nous rencontrons des gens comme ça. Il faut savoir s'en séparer. Des gens gazés, manipulateurs et toxiques. Alléluia. Qui sont avec vous parfois par intérêt. Pour vouloir vous détruire. Nous allons nous pencher sur le livre de 2 Chroniques au chapitre 25. À part versets 27 à 28. C'est une histoire dont on n'en parle pas souvent. Alléluia. Mais c'est une très belle histoire. Alléluia. C'est très belle, une très belle histoire. C'est l'histoire de Amazia. Alléluia. Amazia. Eh bien, c'est un homme. Il était roi. Et de. Quand on est roi, le plus souvent, on a une grosse tête, on se sent tout puissant. Il a fait tellement de méchanceté. Il a détruit. Il a pillé. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Et un jour, le peuple en a eu marre de lui. Le peuple a monté un complot pour le tuer. Et quand il a su ça, il est parti dans une ville. Alléluia. Et dans la ville où il est parti, la Bible dit que les ennemis l'ont ramené, ils l'ont tué et l'ont ramené pour l'enterrer à côté de ses pères, ses ancêtres, là où ses pères étaient enterrés. Mais il avait un fils qui s'appelait Azaria. Ce fils était âgé de 16 ans. Dans 2 Rois 14, 21 à 22. Je vous lis plutôt l'histoire du fils. Le fils était âgé de 16 ans. Alléluia. Là, et il est écrit que, au verset 21, et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit à la place de son père Amazia. Alors, il est devenu, il était héritier. Alléluia. Et le peuple l'a établi à la place du père. Au verset 22, Azaria rebâtit Elad. Elad, c'est là où le père avait été enterré. Et là, il avait fait tous ses 500 coups. Elad fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères. Ça veut dire après qu'il fut enterré avec ses pères.
Nous voyons que Azarias s'est imposé cette capacité de changer les choses, cette capacité de rebâtir. Amen. Et comme il est écrit, Azarias régna 52 ans à Jérusalem et fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Amadia. À la suite de ce récit, il est écrit qu'il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Il a eu un ami à côté de lui qui s'appelait Zacharie. Alléluia. Et Zacharie était à côté de lui, un bon conseiller. Alléluia, dites ça, un bon conseiller. Et Zacharie avait la crainte de Dieu pour Azaria. Le verset 5 nous dit, il s'appliqua de chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Alors c'est Azaria qui s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Mais Zacharie, lui, il avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu fit prospérer qui? Azaria. Alléluia. Il fit prospérer Azaria. Nous devons marcher dans la crainte et l'obéissance de la parole de Dieu si nous voulons prospérer. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Et ce passage, nous allons le lire dans Jean 3, versets 1 à 2. Alléluia, que tu prospères. Nous savons bien souvent, il nous faut des conseillers. Il nous faut des conseillers pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Nous allons trouver ceux qui vont nous aider. Nous allons trouver ceux qui vont nous trahir. Et nous allons trouver ceux qui vont nous tirer vers le bas. Alléluia. Nous devons demander à Dieu le discernement aux gens que nous rencontrons. Alléluia. Nous voyons que nous aurons plein de gens autour de nous. Si tu as de l'argent, tu auras plein de gens autour de toi. Mais le jour que tu deviendras clochard, tu n'auras personne. Jésus était le Fils de Dieu. Il était venu en mission. Nous voyons, la Bible nous témoigne qu'il y avait la foule. Il y avait plein de gens autour de lui. Mais ces gens-là étaient autour de lui le plus souvent parce qu'ils trouvaient à manger et à boire. Ils venaient pour une délivrance. Ils venaient pour quelque chose. Alléluia. Mais après, ils s'en allaient. C'est pareil que nous. Souvent, nous prenons peut-être conscience après. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent à l'assemblée pour quelque chose. Non pas pour donner leur vie complètement à Christ. Alléluia. Pour avoir cette réussite. Dire que j'ai donné ma vie à Christ. Je sais que mon rédempteur se lèvera le dernier. Ils viennent pour une délivrance. Ils viennent pour un travail. Ils viennent pour vraiment au moment où ils sont au plus bas. Mais quand ils commencent à monter, eh bien, c'est comme les oiseaux. Hein? On dit les oiseaux s'en vont mourir ailleurs. Il y a un film comme ça. Les oiseaux s'en vont mourir ailleurs. Eh bien, ils partent. Ils vont de branche en branche. Alléluia. De branche en branche. Et je peux vous dire, mes chers bien-aimés, c'est quelque chose que nous vivons. Nous avons des bien-aimés que nous avons passé des années. Nous avons vécu des années ensemble. Mon frère, ma soeur, je t'aime. Mais il suffit qu'ils changent de cours d'école. Quand on les voit, eh bien, à peine qu'ils vous disent bonjour, ils tournent leur visage. Alléluia. Ils sont tristes. Alors que ces gens-là avaient réussi à avoir une joie. Ils sont tristes. Ils changent de visage. Ils n'osent même pas vous parler. Mais Dieu est Dieu. Nous ne sommes pas des sauvages, mais nous allons vers eux. Ma soeur, mon frère, comment tu vas? Ça fait partie de l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs.
aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Vous savez quelque chose, mes chers bien-aimés? Quoi que vous puissiez faire dans la vie, il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits. Alléluia. Ils ne seront jamais satisfaits. Mais ne vous en occupez pas. Ne vous occupez pas des blablabla. Parce que Dieu dit, j'envoie les anges à votre service. Et les anges descendent des cieux. Alléluia. Ils descendent de l'échelle pour travailler pour nous. Nous ne travaillons pas pour les anges. Nous n'avons pas d'ordre à donner aux anges. Mais c'est Dieu qui donne des ordres aux anges. Ce sont les anges qui travaillent pour nous. Et si personne ne prenne garde à nous, si personne ne fait attention à nous, mais nous avons un public invisible qui apprécie ce que nous faisons. Alléluia. Ton père, ta mère ne veut pas te voir, mais tu as père, mère invisible qui t'apprécie et qui prend soin de toi. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a un travail invisible qui se fait avec des esprits invisibles. D'accord? Sur la terre, notre combat est un combat de bonne volonté avec des âmes spirituelles. Et c'est avec ces âmes spirituelles que nous pourrons vaincre. Alléluia. Pas des âmes charnelles. Alléluia. Parce que Dieu nous dit de ne pas nous battre contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques. Alléluia. Les esprits démoniaques, ce sont ces démons que le diable envoie à travers ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa, ton parrain. Alléluia. Pour te plonger, pour te plomber, pour te mettre toujours en colère, pour que tu sois toujours dans les querelles. Non! Laissez-les passer. Mais prie pour ces personnes-là. Afin que Dieu les change. Parce que Dieu va les confondre un jour. Ils vont retourner pour vous. Alléluia. Et ils verront leurs erreurs. Alléluia. Dieu est Dieu. Il est bon. Parce que nous avons un monde invisible qui nous soutient. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Comme nous l'a appris l'apôtre Paul, je vous donne le chapitre. Et, alléluia. L'apôtre Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ephésiens 6, 12. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. La parole est une âme puissante. Parole de l'Éternel. Contre les dominations, je vous ai dit tout à l'heure, les esprits impurs. Des mondes, esprits impurs sur la terre, il y a des esprits impurs qui se lèvent contre nous aussi dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons les armes, nous avons la parole, l'autorité. Alléluia. Dieu nous a donné la puissance, il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Pourquoi voulons-nous nous acharner à dire que nous sommes toujours attaqués par des démons? Alléluia. Le plus souvent, le grand démon et les sorciers, c'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes. Parce que nous nourrissons des esprits que nous ne voyons pas, nous n'en connaissons pas. Parce que nous avons tellement entendu l'enseignement de certains pasteurs qui sont de leur côté pour nous dire qu'il y a tout démon ci, démon ça. Non! Guadeloupe, nous tenons, mais nous parlerons ça parce que nous sommes des gens bénis. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la puissance de Dieu. Rien ne peut nous faire échouer parce que Dieu est avec nous. Dans Luc 6, verset 10 à 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra venir. Ça veut dire que nous n'avons pas droit à l'échec, puisque nous avons la parole, nous avons la puissance, nous avons le bon vouloir, nous devons avoir la volonté. Rien ne pourra vous empêcher de vaincre. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que
vos noms soient inscrits dans les cieux. Nous venons à Christ. Nous ne venons pas pour être en lutte avec les démons. Nous allons échouer à tout bout de champ. Parce que si nous n'avons pas la puissance de Christ, si nous ne vivons pas sous sa puissance, eh bien lui, c'est lui qui aura la domination sur nous. C'est à nous de dominer. Alléluia. Et nous venons à Christ afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspide. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Psaume 91, verset 13. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez que toutes ces recettes que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions aller de l'avant, pour avoir la réussite dans tout. Alléluia. Ma soeur vient à moi, elle est malade, mais je sais que par la puissance de Dieu, elle va vaincre cette maladie. Ça sera une réussite. Il nous a donné le remède à tout. Nous revenons à Osaria. La Bible dit que Osaria avait un bon conseiller en la personne de Zacharie. Et cela, aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Alléluia. Par rapport à votre réussite, parce que vous avez les armes qu'il faut pour combattre les traits inflammés de l'ennemi. Eh bien, par rapport à votre réussite, les gens ne comprendront pas. Mais qui j'ai été fait pis n'y a belle gouvati comme ça? Qui j'ai fait pis est toujours bien mise? Mais non, par rapport à votre réussite, il y a des gens qui vont vous envier. Ils vont vous jalouser. Qui ne vous supporteront pas. Pour qui Monica Pouin? Pour qui elle se prend? Alléluia. Nous devons savoir, chers bien-aimés, que nous sommes des êtres vivants, avec un corps, dans un corps. Alléluia. Et il y a plusieurs réalités. Dans ce corps, il y a plusieurs langues, plusieurs visages, plusieurs univers qui le traversent. Quelqu'un qui a de la bonne volonté peut apprendre à parler plusieurs langues. Amen. Acte 2, 42, il est écrit, quand le Saint-Esprit est descendu, eh bien, les apôtres, ils ont parlé plusieurs langues. Nous avons la possibilité de parler plusieurs langues. Amen. Mais cela n'a pas été dans notre éducation. Nos parents ne nous ont pas poussés. Mais maintenant, il n'est pas trop tard. Je vois que maintenant, j'apprends à dire bonjour en anglais, bonjour en espagnol. Mais c'est déjà un début. Alléluia, c'est déjà un début. Plusieurs visages. Aujourd'hui, je vois le visage de ma soeur. Elle est souriante. Mais plus tard, je la vois passer avec son visage démonté. Je dirais, mais quand il vient, le visage a été démonté quand l'escalier a démonté. Alléluia, c'est ce que nos anciens disaient. Nous n'avons pas le même visage chaque jour. Cela dépend des circonstances, de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, parce qu'il y a plusieurs univers. Il n'y a pas de réussite ni victoire sans combat. Alléluia. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis en problème, il me faut trouver un travail, prie pour moi, et toi tu regardes la télé, tu es à la plage, tu es en boîte de nuit. Non, tu dois combattre, tu dois savoir appeler papa. 05 90 03 33 40. 05 90, c'est le département de la Guadeloupe. Nous en Guadeloupe, n'est-ce pas? 03, il est ressuscité le troisième jour. 33, il a été baptisé à 33 ans. Alléluia. 40, il a fait 40 jours dans le désert. Alléluia. Et bien, ce numéro-là, ça pour nous faire. Et il est facile à qu'aimer. Pourquoi faire? Allô papa, j'ai besoin de toi. Mais le téléphone de papa n'est pas comme le téléphone des opérateurs que nous connaissons. Par suite d'encombrement, votre demande ne peut aboutir. Non! Par suite de lignes libres,
votre demande peut aboutir. Voilà, ma fille, tu as besoin de croire. Le Saint-Esprit nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous qui sommes distraits, nous ne sommes pas à l'écoute de sa voix. Par rapport à votre réussite, alléluia, eh bien, comme je vous dis, vous aurez des problèmes. Mais vous devez savoir faire face, mes chers bien-aimés. Vous tenir au pied du Seigneur et dire non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles du Seigneur. Mes chers bien-aimés, la réussite peut venir de plein de choses. La réussite peut venir même à travers une offrande que vous faites. Un don. Amen. Un don. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire, et je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais je vous témoigne de ce que j'ai fait. J'ai une fille qui est partie. Elle est partie pour les études. Alléluia. Mais la dernière fois, j'ai fait, parce que moi je fais toujours des offrandes quand je me permets de le faire pour ma famille. Alléluia. Pour mes enfants. Je ne fais même pas pour moi parce que je sais qu'il m'a déjà tout donné. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, voilà, cette offrande-là, tu as dit, Seigneur, de t'honorer, mais j'attends à ce que toi tu me répondes. Là, je te mets au défi, papa. Ce que je te demande, tu m'as dit que je n'ai pas le droit de te demander, c'est toi qui fais. Mais aujourd'hui, j'ose te demander. Faut nous mettre au défi par moment. Voilà. Je veux de telles choses, telles choses, telles choses. Et il faut que ma fille revienne. Alléluia. Eh bien, elle a déjà passé tous les temps. Et elle-même, elle viendra vous témoigner aussi. Alléluia. Elle viendra vous témoigner de la puissance de Dieu. Dieu est un Dieu puissant. À nous arrêter de plaire à l'essor, non. Si vous n'avez pas dit, si vous n'avez pas fait bêtise, tu parles à l'enfant. Mais tu pries pour cet enfant-là. Ne dis pas que l'enfant ne prie pas. Parce que ta prière te sert. Ta prière sert pour ton mari. Ta prière sert pour toutes tes générations. Parce que Dieu t'a élevé parmi tes enfants dans ta famille. Pour t'emmener au milieu de loups, pour te former, former. Et après être formé, même si on n'est pas complètement formé, mais il sait que notre langue est déliée, eh bien, il nous envoie à nouveau au milieu des loups. Alléluia. Et à ce moment-là, nous pouvons avoir cette réussite de vie. Et à chaque fois, nous verrons que un frère, une sœur, un enfant viendra à Christ. Et c'est ce travail que j'ai fait. Alléluia. Mes enfants ont tous été baptisés. Ils sont tous à Christ. Je sais que ma maison et moi, un jour, nous serons ensemble pour louer le Seigneur. Alléluia. Là, pour le moment, c'est à moi de prier pour eux. C'est à nous d'être au pied de la croix. C'est à nous d'être des intercesseurs, des sentinelles. Alléluia. Et notre prière doit porter ses fruits. Nous devons voir la gloire de Dieu dans la vie de ceux qui sont autour de nous et avec nous. Amen. Amen. Pour être des hommes et des femmes audacieux, nous allons prier. Je vais prier avec vous ce matin. Alléluia. Avec vous ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui veut bien venir témoigner la main de Dieu qui s'habille ce matin? Alléluia. Il n'y a personne. Eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est en témoignant que Dieu débloque les situations. Il débloque les situations en témoignant. Tu viens, ma soeur. Alléluia. Tu viens, ma soeur. Viens témoigner ce que Dieu a véritablement fait dans ta vie. Tiens, parce que c'est pas facile à dire. Je suis entré à l'évangile en 97. En 97. Et je suis sorti à l'école en 51, j'avais 13 ans. Je ne savais pas ni lire ni écrire. Et depuis je suis entré, je ne connais pas rien du tout dans la vie. Et depuis je suis entré à l'évangile en 77, de 97 pardon, mais 60 ans, en 97. Je ne savais pas lire ni reconnaître rien dans la vie, c'était je vous salue, de chapelet, chapelet.
toute seule à Théronique. Je suis rentré à connaître la Bible. Au contraire, c'est moi qui ai monté pasteur la Bible. Seulement à connaître la Bible. Alors bon, bref. Oh, en 99, j'étais en France. J'allais prier à l'église de pasteur Élie en France. Je suis sorti dans le métro et rentré chez ma soeur. Et ma fille habitait plus bas. Mais c'est le même bâtiment, Jean-Jévi. Alors je suis descendu dans le métro et j'ai rentré chez ma soeur. Je monte là, là, là. Mais quand j'arrive, j'ai sonné chez une dame. C'était le 13, j'ai sonné le 13. Je me suis dit, le 13, j'ai entendu la personne est venue regarder dans ma chaîne. Mais je ne sais pas, il m'avait pris pour une diable parce que moi. Alors quand je suis descendu, ma soeur, je descends. Je mets au nom de Jésus, Satan, tu es lié, tu es brisé. Mais ce n'était pas Satan qui était lié, c'était moi-même qui était lié parce que j'ai trompé le numéro. Alors vous voyez, il ne faut jamais Satan, tu es lié, tu es brisé. J'étais trop précis. Allez, merci. Et merci pour Dieu toujours pour la Bible que je vous. Alléluia. Alors nous avons entendu le témoignage de notre sœur. Comment elle a rencontré Christ dans sa vie. Alléluia. Comment elle est allée sonner. Comment elle a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve le vrai chemin. Alléluia. Dieu, nous avons tous eu à un moment ce désir. Ce désir de rencontrer le Père. Alléluia. Nous l'avons tous eu. Parce que ce n'est pas après la mort que ça changera, rien du tout. Alléluia. C'est pendant que nous sommes vivants. Pendant que nous sommes vivants, que nous devons aider les autres à aller chercher Christ. Et ne pas croire que quand on fera des dizaines de « Je vous salue » quand nous partirons, que ça sauvera notre âme. Non. C'est dès maintenant que nous devons travailler pour sauver notre âme. C'est dès maintenant que nous devons gagner à ce combat. Parce que Dieu nous a promis une vie éternelle. Amen. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté. Dieu de toute miséricorde. Ce matin, tu nous as donné ta parole. Ta parole qui nous a fait du bien, Seigneur. Ta parole, Seigneur, pour que nous puissions changer de cap, changer de vie, Seigneur. Ta parole pour que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, avoir une vision, Seigneur, plus claire, Seigneur. Que nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Que nous puissions pas rester terre à terre, Seigneur, mon Dieu. Ta parole, Seigneur, pour que nous puissions avoir des oreilles pour entendre ta voix, Seigneur, mon Dieu. Avoir des yeux, Seigneur, pour voir ce que nous devons voir, Seigneur, mon Dieu. Ta parole, Seigneur, pour ne pas rester à écouter, Seigneur, mon Dieu. La voix de l'ennemi de notre âme, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, à travers tout ce que tu auras à faire pour nous, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous aurons, Seigneur mon Dieu, la victoire, nous aurons du succès. Aide-nous, Père Saint, à rencontrer des bons conseillers, Seigneur. Des hommes et des femmes capables de nous propulser vers l'avant, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à nous appuyer sur ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à graver dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, ces lettres écrites, Seigneur, que tu nous as laissées. Ce matin, Seigneur, en ton nom, je viens, Seigneur mon Dieu, de là où je suis, Seigneur. Prends l'autorité, Seigneur, contre tout esprit, Seigneur mon Dieu, qui voudront s'interférer, Seigneur, et nous faire perdre notre bénédiction, Papa. Ce matin, Seigneur mon Dieu, je te réclame, Seigneur mon Dieu, l'âme, Seigneur, de nos parents, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nos enfants, Seigneur, de nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, je te prie pour l'Église, Seigneur, l'Église tout entière, l'Église corps de Christ, Seigneur mon Dieu, que tu puisses te glorifier dans nos vies, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous permettre, Seigneur mon Dieu, de garder cette puissance, cette onction que tu as mis en nous. Ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite, Père Saint. Maintenant, Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces quelques paroles, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur, et que nous garderons gravées dans nos cœurs avec
de notre indélébile, Seigneur. Oh, je glorifie ton nom, Père Céleste. Je glorifie ton nom. Et maintenant, Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de toute bonté, Seigneur, Dieu de compassion, je te confie, Seigneur, chaque âme, Seigneur, dans cette salle, qui sont venues, Seigneur, avec leur tristesse, qui sont venues aussi avec leur joie, hein, mais qui sont venues, Seigneur, d'une manière décomposée, Seigneur, qui recherchent ta face, Seigneur, qui ont envie de voir tes miracles, ces gens qui sont malades, Seigneur, quel que soit de là où ils sont, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, je te demande, Seigneur, pour le grand médecin par excellence, de les visiter, Seigneur, mon Dieu, de leurs cheveux jusqu'à la plante des pieds, de visiter leurs organes, Seigneur, chaque organe dans leur corps, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Visite-les, Seigneur, mon Dieu, visite-les. Je vous invite à vous mettre debout et à placer vos mains sur la partie dont vous souffrez, alléluia, ou chaque fois que je nomme une partie, vous posez vos mains, parce qu'on ne sait jamais, les choses cachées doivent remonter à la surface, mais Dieu, c'est le Dieu le plus grand chirurgien, il nous opère. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ton nom puissant, Seigneur, je viens prendre autorité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, autorité, Seigneur, contre tout esprit méchant et impur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui toucheront nos têtes, Seigneur. Tout esprit impur et méchant, Seigneur, mon Dieu, qui viendront dérégler notre cerveau, Seigneur. Tout esprit impur et méchant, Seigneur, mon Dieu, qui voudront boucher nos artères, Seigneur. Tout esprit impur et méchant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui voudront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, bloquer notre voie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, ce soir, Père Saint, je prends autorité contre tout esprit de cancer, Seigneur. Cancer du cerveau, au nom puissant de Jésus, tu lâches le peuple de Dieu. Et je déclare que toute maladie cachée remonte à la surface. Oui, cancer du cerveau, tu lâches le peuple de Dieu. Cancer du sang, tu lâches le sang du peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je demande à Dieu vraiment que votre sang soit changé. Que votre sang soit changé, alléluia. Que ce soit le sang de Jésus qui circule dans nos veines. Je déclare ce matin que toute maladie cardiovasculaire lâche nos cœurs, oui, lâche nos cœurs ce matin. Maladie cardiovasculaire, vous lâchez nos cœurs. Je déclare que les cœurs soient nettoyés, guéris, les aortes soient nettoyées, les vaisseaux soient débouchés, que tout caillou de sang, oui, qui circule dans les veines, dans les vaisseaux, se fonde là maintenant. Au nom puissant de Jésus, je réclame le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sur nos artères ce soir. Oh, cancer du côlon, tu lâches le peuple de Dieu. Oui, tu lâches nos colons. Tu lâches nos colons ce soir. Oui, cancer des ovaires, tu lâches nos ovaires ce matin. Oui, tu les lâches. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que toute maladie qui ne confesse pas la parole de Dieu, souvent sort de nos cœurs, là maintenant, esprit d'arthrose, oui, toute arthrose, oui, vous lâchez mon corps, vous lâchez le corps, vous lâchez le corps du peuple de Dieu, oui, vous nous lâchez, au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous allons donner à Dieu nos reins, alléluia. Nous allons prier pour nos reins ce matin, alléluia. Oui, nous mettons nos reins entre les mains de Dieu ce matin. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, briser, annuler toute la maladie, Seigneur, des reins, Seigneur. Toute maladie qui empêche nos reins d'être fibrés, Seigneur. Nous les chassons, nous les brisons. Et ce soir, ce matin, Seigneur, nous te confions nos corps entiers, Seigneur, mon Dieu. Nous te confions nos corps entiers, Seigneur. Nos yeux, Seigneur. Nos oreilles, Seigneur. Nous venons briser tout cancer de la gorge, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans nos familles, Seigneur, mon Dieu. Dans nos corps, Seigneur, mon Dieu. Nous te confions les malades. Tous ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, Seigneur. Qui souffrent, Seigneur, de différents maux, Seigneur. Nous réclamons la guérison pour eux ce soir. La guérison. Et nous déclarons que par ton sang, nous sommes guéris. Par ton sang, ils sont guéris. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.